À Moscou, une rame de métro a déraillé aujourd'hui. Au moins 3 personnes sont mortes, selon des médias russes. Plus de 40 autres ont été blessés, d'après un représentant du ministère russe des situations d'urgence. Le département de la santé de Moscou a fait état de son côté de 80 blessés. Un média local a précisé que plusieurs usagers étaient coincés dans un wagon. Le drame s'est produit vers 8h30 du matin, heure locale, entre les stations Slavianski Boulevard et Parc Pobedi. Une brutale chute de la tension électrique aurait provoqué une erreur dans le système de signalisation et l'arrêt brutal de la rame. Le maire de la capitale s'est rendu sur place. Des dizaines d'ambulances et un hélicoptère ont été mobilisés. 200 personnes ont été évacuées. Ce serait le plus grave accident dans le métro de Moscou de ces dernières années. En 2012, un incendie avait provoqué l'évacuation de plus de 4 500 personnes.